اليوم رانا نديرو هاد تنظيم هاد لا جورني اللي هي ان جورني ديستيني او باسيون اي غران بوبليك بو فولغاريزي هاد هاد لا تيماتيك pour parler des Miki, pour démystifier un peu le sujet, pour permettre aux gens de connaître la maladie, donner des informations sur les maladies, sur cette maladie et la recherche bien sûr. Et voilà, on a des experts, on a travaillé avec la collaboration du service gastro-entérologie de Mustapha Bacha. C'est une maladie, c'est une maladie invalidante, handicapante, qui est parfois très difficile à vivre, qui elle a beaucoup plus d'impact, impacte beaucoup la qualité de vie des personnes. Elle a des répercussions parfois extra-digestives, des manifestations comme la spondylarthrite, les rhumatismes, les uveïtes et tout ça. Donc c'est une maladie très, très grave, très handicapante. Malheureusement, elle n'est pas prise à 100% par la sécurité sociale, donc c'est un point à soulever. Donc on aimerait que les autorités sanitaires dans ce pays se penchent un peu sur cette question. Donc, malgré la dangerosité et la gravité des complications de la maladie, on peut vivre avec cette maladie. On peut avoir une espérance de vie très normale. On peut avoir une vie personnelle à côté, une vie professionnelle. On peut, même avec la maladie, c'est pas une fatalité. On peut vivre avec. Il y a aujourd'hui des traitements qui permettent, de gérer donc les poussées, de les espacer, pour éviter la complication. Et hagda bach nas li bhad el mard taqdar taish ou kima, chers عادي.